Ah ben c'est commencé, vous le voyez, la tempête est bel et bien installée ce matin. Voyons donc. Ben je vous le dis, c'est commencé. Regardez comme il faut là. C'est des canons en neige. Non. Comment c'est des canons en neige? Alors, il y avait une petite arnaque, vous l'avez saisi, évidemment. On est à Saint-Sauveur ce matin avec Agnouk, mais, à quelque part, d'ici la fin de la matinée ou le début de l'après-midi, il y aura pas mal de linge sur le Québec. Alors, on va voir Agnouk tout de suite pour connaître les prévisions du jour. Allô, Agnouk, salut! Bon matin, t'as eu peur, hein? Ben, moi, je le savais, les autres ne le savaient pas. Alors, j'ai senti dans leurs yeux faire « Ah oui, c'est arrivé pour vrai! » Tu leur as fait une petite peur, mais oui, effectivement, on se prépare pour une bonne tempête aujourd'hui. Alors, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. 20 à 30 cm de neige prévue. Et vous le savez, on vous l'a assez répété, c'est une dépression qui vient du Colorado et qui va s'intensifier à l'approche du Québec. Alors aujourd'hui, il faut dire que les secteurs du sud-ouest seront particulièrement touchés. Tranquillement, ça va se déplacer vers le centre et l'est. Alors, on peut dire que ça va commencer pour le centre de la province en après-midi, tranquillement en fin de journée à l'est. Et le gros, en fait, des précipitations, ça va avoir lieu pendant la nuit. Mais pour nous, par exemple, de très bonnes quantités de neige, ça devrait commencer autour de peut-être 7-8 heures ce matin. Donc, 20 à 30 cm de neige à prévoir aujourd'hui et de forts vents. Alors, c'est vraiment là, tous les ingrédients sont réunis pour une bonne tempête. Donc, de forts vents, de la bonne poudrerie par moment sur la route. Alors, il faudra être très, très prudent. Et encore demain, flocons. Pas beaucoup, peut-être un 5 cm d'accumulation, encore une fois avec de forts vents. Et tranquillement, le soleil va nous revenir à l'approche du week-end et ça va se calmer tout doucement. Mais préparez-vous, ce sera toute une journée. Ah, merci. Ouais. Wow, merci, Agnouk. On te retrouve tantôt pour d'autres prévisions en détail, région par région, pour les gens qui veulent savoir de quoi aura l'air leur journée aujourd'hui. Tu dois être contente, Marie-Claude. Non, c'est ça qu'il faut être prudent. C'est évident. Il faut se parer à ça. Mais quand on le sait d'avance, quand on est prêt, on peut vivre ça dans la joie. Oui, bien oui. Pensez comme... au sport. Pensez aux gens qui aiment les sports d'hiver. Comme la victoire du Canadien d'hier. Ouais. On peut vivre ça dans la joie. Bien sûr. C'est une troisième victoire de suite pour le Canadien, signé à la... Parce qu'il a été bombardé de rondelles. Il a réalisé 45 arrêts en tout et partout. Donc, c'est le héros de cette victoire. Les pauvres sénateurs qui ont de la difficulté et ont eu 7 avantages numériques hier, ils n'ont pas été capables d'en profiter. Alors, Marc-André Bergeron a encore connu une bonne soirée et des buts en attaque massive pour le Canadien. On en parle dans quelques minutes. Excellent. On parle des Cowboys, Stéphane. Oui, j'ai eu la chance de les rencontrer hier. Bon, on sait qu'ils ont eu un gros succès en Europe cette année. Des Cowboys enthousiastes, en pleine forme et qui se préparent pour le 31. Gros spectacle au centre. Excellent. Alors, avec Eve-Marie, on va faire un point sur ce qui nous attend au cours des...